Il va y avoir du sport. 6-9 la matinale, Matin Sport. Sport. h 18 minutes, Matin Sport, c'est tout de suite avec vous Ali Hamouche. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. On commence avec du football et tombée de rideau sur la Ligue 1. En effet, donc hier c'était la 30e et dernière journée de Ligue 1 et on connaît désormais le deuxième club relégable qui jouera en D2 la saison prochaine. C'est l'Étoile Sportive de Ben Aknoun suite à sa défaite hier face au Mouloudia d'Albayed. 1-0 le Mouloudia d'Albayed, donc qui reste en Ligue 1. Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur d'Albayed, Abdelhaq Belaïd. كنا مركزين العامل البسيكولوجي لعب دور كبير اللاعبين كان عندهم فولونتي كبيره نظن انه كنا على وتر كنا قد المسؤوليه اللي لقات على عاتقنا الحمد لله ضمان البقاء هذا بالنسبه لنا تتويج بعد الاحداث كامله اللي صارت موسم كامل موسم شاق نهدو لروح الفاقدين خالد وزكريا وكذلك مناصر خونا يوسف ربي يرحمهم نتمنى ان شاء الله استخلاص الدروس من الموسم هذا والموسم القادم يكون افضل من هذا للفريق مولودية البيض Ou du tableau, le Chabab Riyadi de Bluizdad sera le deuxième club qui jouera la Ligue des Champions en compagnie du Mouloudia d'Alger après sa victoire à l'extérieur de 2-1 face à la JS Sawa. Sur cette victoire, on écoute son président Mehdi Rabhi. Deuxième au classement, on est resté sur le palier de la Champions League. On va se préparer convenablement pour la Coupe d'Algérie, Inch'Allah. Bravo à tous, bravo aux joueurs, bravo aux responsables. Alhamdoulilah, on s'est bien préparé pour cette rencontre. On leur a demandé de jouer à fond et de revenir avec une victoire. Le mérite revient aux joueurs. Ils ont été hommes sur le terrain. Et on reste avec le haut du tableau. Hier, le Mouloudia d'Alger qui a reçu son trophée de champion d'Algérie. C'était au Nelson Mandela Stadium à l'occasion de sa rencontre face au Mouloudia d'Oran. Une rencontre qui a vu le Mouloudia d'Alger terminer la saison sur une victoire 3-2. Sur cette victoire et la consécration du Mouloudia d'Alger, on écoute son international ivoirien Mohamed Zougarana. Pour moi, c'est un sentiment immense. Je ne sais pas comment m'exprimer parce que c'est assez spécial. Le peuple mouloudien a entendu ça depuis tellement d'années. Ça fait 14 ans aujourd'hui. Vraiment, nous sommes très contents avec eux. On a profité, on a savouré. Et vraiment, on souhaite continuer sur cette lancée, Inch'Allah. On a à cœur de vouloir réaliser ce doublé-là. C'était Mohamed Zougarana au micro de Sid Ahmed Fethi. Dans les autres rencontres de cette 30e journée, le Paradou Athletic Club qui termine sur une victoire face à l'USM Khenchla, 2-0. L'US Souf qui a été battu à domicile par la JS Kabylie, 4-0. Et enfin, le CS Constantine battu également à domicile face à l'Entente de Sétif, 2-1. On va enchaîner avec le basketball. Ali Hamouche, on connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs. En effet, donc l'affiche de la coupe, de la finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs, donc ça sera le 12 juillet prochain à Djidjel. Présentation avec Rostam Yahya Chérif. Il aura fallu attendre 28 ans pour revoir une nouvelle fois l'USM Alger animer une finale de Coupe d'Algérie chez les messieurs. Les Rouges et Noirs qui se sont qualifiés cette fois-ci en s'imposant face au Nahd du Sindé sur le score de 59-41 en demi-finale à la salle Omnisport de Guiba. Ému après cette qualification, l'entraîneur des Rouges et Noirs, Reda Hashmi, revient sur cette qualification après avoir battu son club formateur et son club de cœur, le Nahd du Sindé. On a passé des moments très difficiles pendant la saison. On a su se retirer. On va d'abord jouer le deuxième tournoi de play-off. Mathématiquement, on n'est pas encore éliminé. On va jouer toutes nos chances. On va préparer la finale. En finale, prévue le 12 juillet à Djidjel, l'USM Alger défiera le Wydad de Boufarik, le double détenteur du trophée, qui a battu jeudi en demi-finale le Tradraria sur le score de 67-59. Et le hasard fait bien les choses, puisqu'il y a 28 ans, le dernier adversaire de l'USM Alger en finale de la Coupe d'Algérie était le Wydad de Boufarik, une finale remportée par le Wydad en 1996. Et pour rappel, la finale de la Coupe d'Algérie chez les Dames est prévue pour le mardi 16 juillet, ça sera à la salle de Stawali entre le groupement sportif de Kossider et le vainqueur de la deuxième demi-finale qui aura lieu le 21 juin prochain à la salle Hydra entre le tenant du titre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger.
Volleyball, on connaît les deux finalistes pour le titre de champion d'Algérie. Et ça sera l'ASV Blida qui affrontera donc en finale du championnat le Wydad de Tlemcen. C'était à l'occasion de la dernière journée du tournoi des As disputé hier à la salle Nasri de Chlef. Retour sur cette journée avec Nassima Djaout. Le Wydad de Tlemcen affrontera l'ASV Blida en finale du championnat d'Algérie le 5 juillet prochain. Les deux équipes s'étaient affrontées hier soir lors du dernier match du tournoi des As. La victoire finale est revenue au Wydad de Tlemcen face à l'ASV Blida au tie-break 3-7 à 2. Tlemcen termine à la première position avec 7 points, 3 victoires sur 3 matchs joués. Et pour l'entraîneur du Wydad de Tlemcen, Melek Radji, il était important de gagner face à Blida hier pour avoir justement cet ascendant psychologique en perspective de la finale. On écoute Melek Radji. C'était très important sur le plan mental aux joueurs, mais on avait une combinaison, il ne fallait pas montrer tous ses atouts, en même temps jouer pour s'imposer, il faut marquer les esprits et c'était très important pour nous. L'ASV Blida donc termine deuxième avec 6 points, 2 victoires et 1 défaite. Pour l'entraîneur de Blida, Hassan Nadif, le match d'hier était une simple formalité. Cette match a changé notre équipe pour voir les joueurs de nous dans le futur. Alhamdulillah, Par ailleurs, Ouled Adouane termine à la troisième position avec 3 points. Ouled Adouane a été battu par l'étoile de Sétif au tie-break 7 à 2. Première victoire de l'étoile de Sétif, mais qui ne lui permet pas d'améliorer son classement. L'étoile de Sétif reste à la quatrième position avec 2 points, juste derrière Ouled Adouane qui a enchaîné 3 défaites, mais qui a totalisé 3 points avec, bien entendu, des défaites avec au tie-break 3-7 à 2. Handball, trois clubs occupent la première place à l'issue de la deuxième journée des play-offs chez les dames. Et les trois clubs en question sont le HBC Elbiar, le Mouloudiat d'Alger et le club féminin de Boumerdès. C'était à l'issue des matchs de la deuxième journée des play-offs. Retour sur cette deuxième journée avec Lotfi Benidir. Fin ce week-end du premier tour de la phase des play-offs chez les dames avec le déroulement ce vendredi de la deuxième journée, le Handball Club d'Elbiar a confirmé sa place de leader après sa victoire face au Handball Club de Mila sur le score de 37 à 15. Dans l'après-midi, le NRKG Alger a enregistré sa première victoire en s'imposant face au CS Mouloud Mamri sur le score de 21 à 15. La troisième rencontre de la journée a opposé le Mouloudia d'Alger face au groupement sportif de Sétif. Le Mouloudia a pu enregistrer sa deuxième victoire en cette phase des playoffs sur le score de 30 à 22. Et sur ce succès, on écoute la pivot du Mouloudia d'Alger, Célia Zouaoui. S'est donné à fond pour avoir une deuxième victoire sur les playoffs, mais elle n'a d'aucun la suite. On va tout donner pour donner le meilleur de nous. Voilà. C'est difficile et dans les derniers tournois, donc on doit tout faire pour faire un bon parcours. Quant à la quatrième rencontre, elle a opposé le club féminin de Boumerdès au NRFC de Constantine et c'est les vice-champions d'Algérie du club féminin de Boumerdès qui se sont imposés sur le score de 26 à 22. On écoute la gardienne de but du club féminin de Boumerdès, Naïma Gabour. C'était un match difficile, on a trop raté. Inch'Allah, on va préparer bien les matchs Jayin ou mettre un bon résultat. Le deuxième tournoi, je pense que ça va changer. Mais Inch'Allah, on va bien préparer le tournoi Jayin. Je rappelle qu'à l'issue de ce premier tour des playoffs, c'est l'Handball Club d'Elbiar, le Mouldia d'Alger, le club féminin de Boumerdès qui occupe conjointement la première place avec un total de 4 points en attendant le deuxième tour des playoffs qui sera ponctué par 3 journées à partir de jeudi prochain. Aviron, le rameur algérien Sidali Boudina en finale de la Coupe du Monde. Il s'agit de la finale B dans la spécialité du skiff poids lourd et ça se passe en Pologne. Le rameur algérien donc Sidali Boudina qui a raté de peu la qualification pour la finale A. Ça s'est joué sur une seconde de retard sur celui qui a terminé à la troisième place, le Slovène Pierre Stresonski, donc Boudina qui va se contenter de la finale B qui débutera à 8h55 du matin, heure algérienne. Cyclisme, l'Algérien Azdine Lagab termine à la 11e place de l'ultime étape du Tour de Maurice. Le cycliste algérien donc Azdine Lagab qui termine à la 11e place du classement final individuel de la 43e édition du Tour cycliste de Maurice qui s'est clôturé hier à l'issue de la 4e et dernière étape. Azdine Lagab, sociétaire de l'équipe de Madar Pro Team. On parle tout de suite de l'Euro 2024. We on fire. We on fire.
l'Euro 2024 donc, qui a débuté hier avec la cérémonie d'ouverture, une cérémonie grandiose. Ça moi, je l'ai raté, je ne l'ai pas vu malheureusement. Ah, c'était vraiment très beau, ce n'était pas trop long, mais c'était très beau. Donc, ça, c'était, maintenant, à peu près, les standards sont à peu près à 20 minutes, je pense. Je pense que c'était moins hier, c'était 15 d'accord, minutes. Très bien. C'était 15 minutes, ça a précédé le match d'ouverture entre la Mannschaft, l'Allemagne et l'Écosse. Et l'Allemagne a frappé fort d'entrée, puisqu'elle s'est imposée sur le score de 5 buts à 1 face à la formation écossaise. L'Allemagne donc qui débute bien cet Euro chez elle et qui est bien décidée à remporter un quatrième titre après ses 3 trophées. Et aujourd'hui, suite de cette compétition avec 3 matchs au programme, il faut noter. À 14h, il y aura Hongrie-Suisse et à 17h, ce choc entre l'Espagne et la Croatie. Un match à ne pas rater, la Roja donc qui affrontera la Croatie. La Croatie emmenée par son maître à jouer, Luka Modric. Et à 20h enfin, le tenant du titre, l'Italie, qui affrontera un tout nouveau en compétition, c'est l'Albanie. Et on termine avec le chiffre du jour, Ali Hamouche, 5,8 millions d'euros, c'est ça? C'est bien ça, retenu? Ça, absolument, Fatima, c'est oui. 5 800 000 euros. Et on reste avec l'euro, l'euro 2024. Maintenant, désormais, tous les chiffres du jour vont épouser l'actualité. On va essayer de coller à l'actualité, c'est l'euro 2024. Là, on va parler des salaires des entraîneurs. D'accord. Et l'entraîneur le mieux payé de l'euro 2024, c'est l'anglais Gareth Southgate, qui est sélectionneur de l'Angleterre avec 5 800 000 euros, qui est suivi de l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann avec 4 800 000 euros. Et l'entraîneur le moins payé, c'est Willy Sagnol de la Géorgie avec 200 000 euros. Très bien, merci beaucoup Ali Hamouche pour tous ces détails. Ali, comme c'était votre dernier passage aujourd'hui dans la matinale, je vous souhaite Eid Adha Mubarak. Inch'Allah, kul 'am wa anta bkhir. Merci beaucoup Ali, bonne journée. Il est 8h30.